Yo la team Electro, c'est Electrorace et aujourd'hui on se retrouve sur un dessin. Et oui, on va faire ce dessin là les amis. Vous allez me dire, mais comment on fait? C'est très simple, change directement de feuille. Vous allez prendre une règle. Voilà une règle. Et vous allez mettre... faire un carré de 6 cm à chaque fois. Donc 6. 6. 6. Alors là, si vous n'avez pas de gomme, vous ne pourrez pas le faire. Parce que là, il va falloir énormément. Là, il va falloir il va falloir gommer énormément. Tac. Voilà, donc le carré, c'est fait. Ensuite, vous allez mettre... vous allez faire un point à la moitié de votre trait. Donc, la moitié de 6, c'est quoi ? C'est 3. Vous faites un point. Donc on sait maintenant que c'est ici. Et vous allez faire un trait. Comme ça. Et ensuite vous allez faire la même chose ici. C'est un compas, les amis. Le compas. Ça, c'est un compas. On en a vraiment besoin. C'est grâce à ça qu'on va faire les fleurs, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Donc, vous allez mettre la pointe du compas ici. Donc, pour éviter que ça glisse, vous allez mettre tout simplement... je vais enlever la feuille. Attendez. Pour éviter que le compas glisse, mettez... un truc comme ça là. On va faire comme ça. Voilà. Je vais le mettre de ce sens. Est-ce que ça vous dérange? Attendez, je vais voir un petit peu si je fais ça. Voilà. Donc ensuite, avec le compas, vous allez donc mettre la pointe du compas. Par contre, si c'est comme ça, je vais décaler ça. Voilà. Donc vous allez bien enfoncer. Et le crayon à papier, là, vous le mettez au milieu. Vous allez faire un cercle. Un cercle en entier. Voilà. Et ensuite, vous allez faire un autre cercle de l'autre côté. Donc vous enfoncez bien, vous mettez, vous faites un cercle. Ok, c'est bon. Ensuite, vous allez prendre une gomme. Donc on s'en fiche si le truc il est plus grand que l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette forme. Du coup, vous allez effacer le reste. Même ce qu'il a, celui qui est à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous allez gommer le deuxième rond. Comme ça. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose pour que ça forme quatre trèfles. Je vais le faire avec vous. Un là. Et un là. Bon. Si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai appris, ceci, ben c'est à l'école. Voilà.
Donc vous pouvez voir qu'à l'école, c'est pas toujours ennuyant. Je vais faire une petite dédicace à mon ami Lazare, qui est dans mon école et qui regarde mes vidéos. Donc dites-lui, s'il vous plaît, t'es le meilleur Lazare. L-A-Z-A-R. C'est comme ça qu'on écrit. Donc vous allez obligatoirement marquer ça. Si vous ne le marquez pas, je vous banne. Non, mais sérieux, marquez ça me fera extrêmement plaisir. Aussi possible, je vous mets mon dos. Aussi possible. Aussi possible, je vais peut-être vous mettre. Enfin, je vais... Ah, le compas, ça fait mal. Je vais vous épingler, sinon. Tous ceux qui disent, t'es le meilleur, Lazare, je l'épingle. Voilà. Tout simplement. Donc j'ai bientôt terminé le deuxième trèfle. Voilà, donc deuxième trèfle terminé. Ok, aussi je vais faire une autre dédicace à une personne que j'aime bien. Triforce69. Donc si c'est possible aussi que vous marquez... Enfin, sinon, vous savez quoi? Tapez Triforce69. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous abonnez à sa chaîne. Ça me ferait grave plaisir. Et ça lui fera aussi plaisir, pas qu'à moi. Enfin, si ça ne fait pas plaisir, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je fais, moi? Je vais te faire ça un peu. Tac. Bon, même, vous n'avez même pas besoin de faire deux cercles. Ensuite, vous avez combien? Un cercle, ça suffit. Et le dernier trèfle, vous allez faire exactement la même chose aux deux coins vides. Tac. Ensuite, vous faites ça. Tac. Et pour terminer, ensuite, vous allez gommer le reste. Et ce qu'il y a, c'est ça. Sauf qu'il manque une seule étape à faire. Une seule. C'est très simple. On aura encore besoin de ça. Oui, je sais, on a énormément besoin. Et vous allez mettre cette fois la pointe du compas sur au-dessus de la ligne. Voilà, donc vous mettez la pointe ici et le crayon à papier ici et vous le tournez vers de ce côté. Ou sinon, pour que si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire aussi directement. Ah non, l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, vous allez faire la même chose là. Un truc comme ça, voilà. Donc vous faites la même chose. Tac. Même, qu'est-ce que je fais, moi? On peut faire des deux côtés. Tac. Qu'est-ce que je fais? C'est un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh mince, j'ai fait beaucoup trop grand. Désolée si je me trompe, les gars. C'est juste que je suis un débutant, désolé. Tac. Mais blague. Et c'est de la géométrie, ça. Ça, en vrai, c'est vraiment de la géométrie. Donc, attendez, je vais refaire ça. Comment on fait? Oui, non, comment on fait? Comme ça. Non, de l'autre côté. Ensuite, je fais ça.
Le ménage, le ménage. Bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, vous allez faire, vous allez terminer le truc. Donc, comment le terminer? C'est très simple. Vous faites ça. Tac. Et pour terminer. Et voilà. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Moi, le Minecraft plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant, je vous dis à plus. Ouais, c'est beau.